10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 to begin. 8300. Oh my god. Radio, c'est Stade Castel. Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD, 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castel. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur, Libre-Écoute. L'émission est diffusée en direct mercredi par mois de 10 à 10h30. Elle est animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Libre-Écoute sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct depuis Carcassonne. Et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 10e émission de cette année scolaire. Dernière émission de la 3e saison pour Radio CESAD Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans, nous sommes le mercredi 22 juin 2022. On pense également à Enzo, qui a 11 ans, qui visite le collège aujourd'hui. Et s'il était là, il souhaiterait une bonne fête au Eric et au Cora. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans. Côté météo, on est un peu... il y a un peu de gris. Bonjour, je m'appelle Nolan, conseil santé. Nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 10 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Vous écoutez bien Radio CESAD Castel. Au programme de cette émission, nous avons invité Nolan. Il a travaillé des reportages pour la web radio pendant toute l'année. Il va nous expliquer comment il a fait. En direct, le rapport Andy, les reporters Andy, Enzo, Maxime, Nolan et moi-même, nous vous parlons des animaux domestiques. On appelle aussi les animaux de compagnie. Il y aura aussi un quiz sur ce thème. Beau programme, non. Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD, 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Depuis les débuts de la web radio,
Nolan fabrique des reportages, mais comment fait-il ? Eh bien oui, Maxime, on va lui demander, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Nolan parmi nous, en tant qu'invité à la web radio. Il devait y en avoir d'autres, hein. On pense notamment à Déborah, on pense notamment à Matt Enzo, qui hélas sont en sortie scolaire et n'ont pas pu participer aujourd'hui avec nous, mais on pense fort à eux. Et Nolan a donc effectivement fait pas mal de reportages pour la web radio, et on a besoin de toi aujourd'hui, Nolan, pour que tu expliques un petit peu à nos auditeurs quels ont été déjà un petit peu les reportages que tu as fait, si tu t'en souviens, et comment tu les as fait. Alors, est-ce que tu te souviens des reportages que tu as fait pour la web radio ? Pour les reportages de la web radio, ces derniers temps, j'en avais pas trop fait. Oui. Donc, je me souviens plus vraiment très bien des reportages que j'ai fait. Ah, ben moi, je m'en souviens, ça tombe bien. Hein. Vas-y. Comment je les ai trouvés ? C'est souvent de la part de l'inspiration quotidienne, quelque chose que je fais souvent, une intrigue que j'ai découvert il n'y a pas longtemps ou quoi. Oui. Alors, tu avais fait un reportage, l'un de tes meilleurs que j'ai trouvé personnellement, c'était celui où tu étais allé interroger un festival de cinéma à Carcassonne. Est-ce que tu te souviens de celui-ci ? Oui, je m'en souviens. Alors, comment tu avais fait pour faire ce reportage ? Ce reportage, simplement, c'est que j'ai eu une idée avec un ami. Oui. Il voulait faire un projet YouTube. Oui. Et moi, en même temps, j'ai une idée pour la web radio, parce que je cherchais à ce moment-là une idée pour la web radio. Ouais. J'ai trouvé que peut-être interroger un photographe professionnel et gérant du festival actuel serait bien pour les jeunes et peut-être futurs Photographe. Oui, futur photographe. D'accord. Sur les moyens techniques, un petit peu, comment est-ce que tu as réussi à récupérer de ces informations ? Les moyens techniques, c'est que, puisque je participais avec un de mes meilleurs amis à un atelier qui s'appelle la téléphoto, qui est toujours disponible, si je ne dis pas de bêtises, à Bram, dans la médiathèque de Bram, tous les mercredis après-midi. Ça, c'est de la pub, c'est fait. On y va. J'ai détaillé. Oui. Je me rappelle le jour où j'ai fait l'interview. Oui. C'était une sortie prévue pour aider les festivals. On est parti en voiture avec des parents volontaires. On est parti avec 5 voitures, je crois. On était 6 ou 8 personnes. Et on est parti à Carcassonne. On est passé par le bureau. D'accord. Dont le nom de l'entreprise, je me rappelle plus. C'est pas grave. Tu as donc rencontré les personnes. Et comment tu as fait, toi, là, à ce moment-là, d'un point de vue technique, pour rapporter ces informations ? Pour rapporter ces informations, j'ai demandé, donc, les ont visités un peu. Ouais. J'ai vu que le photographe professionnel était un peu écarté. Donc, je suis allé voir. Il lui proposait une interview. Oui. Alors, comment tu as fait cette interview ? Grâce à quoi ? Grâce à mon téléphone. Eh oui. D'accord, d'accord. Et donc tu as enregistré ? Tu as pu enregistrer ? J'ai pu enregistrer. Oui. Tu avais préparé les questions ? J'avais pensé les questions au début. Ah, d'accord, très bien, très bien. Moi, j'ai dû refaire une deuxième fois parce que avec mon ancien téléphone, j'avais quelques soucis de problématiques. Disons que certains de mes fichiers se corrompaient tout seuls. D'accord. Donc ça, j'ai changé de téléphone entre temps, donc ça risque d'arriver. Donc ce sera plus simple. D'accord, impeccable. En tout cas, ben, écoute, je pense que tu as été un vrai reporter, pour le coup, dans les vraies conditions du reporter et de celui qui fait des reportages et des aussi, interviews. Et aussi, on aurait pu avoir un autre reportage, la vie d'un principal, mais on n'a pas pu le poser à cause d'un souci problématique. Ouais. Parce que c'était en lien avec notamment la création d'une web radio dans ton collège. Oui. Tu te souviens ? Voilà. Oui, je me rappelle aussi. Voilà, parce qu'il était peut-être aussi question qu'on puisse rentrer en contact avec l'autre web radio, une autre web radio, et de pouvoir partager des informations et pourquoi pas des reportages. Ça aurait pu arriver, mais avec les problèmes Covid et tout, il a été annulé. Il voulait le remettre, mais c'était trop tard, on est déjà en fin d'année. D'accord. Je sais aussi que tu as pas mal de chaînes YouTube, comme un petit peu Hugo. Hugo, c'est ça, tu as une chaîne YouTube toi aussi. Est-ce que cette interview, tu l'as mise sur ta chaîne par exemple ? Pas actuellement, puisque ma chaîne, je l'ai mise en stop, puisque je suis en train de voir avec un monteur actuellement pour faire une intro. D'accord. Ma chaîne. Ok. Et toi, Hugo, est-ce que tu te sers de cette chaîne un petit peu YouTube en ce moment ? Plus trop, j'ai plus trop d'inspiration, du coup j'essaye
de trouver des inspirations avec mes amis des fun ou des trucs. Ok, on va demander la parole un petit peu à Andy et à Maxime. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? T'en as une toi, Andy, d'une chaîne YouTube? Non, donc si tu sais pas, c'est que t'en as pas. Maxime, t'as une chaîne YouTube, toi? Non. Tu regardes YouTube un petit peu les chaînes des autres adolescents et tout ça? Non. D'accord. Une information. Oui. Quand vous créez votre compte YouTube, ça va automatiquement vous créer une chaîne, mais que une chaîne un peu, on pourrait dire privée, en mode privé. Oui. Et que vous pourrez débloquer un peu plus tard. Oui, d'accord, impeccable. Bon, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose, Hugo, par rapport à Hugo, n'importe quoi. Est-ce que tu, Nolan, est-ce que tu souhaites partager une autre information? Est-ce que tu as déjà des idées de reportage pour l'année prochaine? Si la web radio continue, on espère qu'elle va continuer quand même. Bien sûr, elle va continuer. C'est un très beau projet. C'est gentil, je te remercie. Juste actuellement, j'ai des projets, mais c'est en cours de validation. D'accord. Pour voir si c'est possible. Et je vous le dirai pour l'année prochaine. D'accord. Continuer. Allez, impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Hugo? Déjà, on peut dire à Nolan merci. Eh oui, très bien. C'était pas mal cette interview finalement. Oui. Hein, parce qu'il n'a pas trop l'habitude de venir de parler dans le micro. Il parle plutôt à son téléphone pour s'enregistrer. Et là, je trouve qu'il y a quand même, il est à l'aise. Hein, et c'est super. En tout cas, Nolan, on te remercie d'être là. Bah, alors, on y va. Bah, en même temps, je rajoute un truc. En même temps, pour la web radio comme ça, je me suis beaucoup entraîné. Oui. De quoi part-on maintenant? Alors, de quoi est-ce qu'on parle maintenant, s'il vous plaît? C'est l'heure de l'interview live. Eh bien, écoute, c'est une seconde interview live. Et qu'est-ce qu'on va faire, Maxime? Parlons des animaux domestiques. Allez, on va parler des animaux domestiques. On va laisser la parole à Céline et à Monsieur Andy. Alors, pour introduire cette partie sur les animaux domestiques, Andy et Enzo vous ont préparé une petite histoire qu'ils vont vous lire. Tu commences, Andy ? L'histoire de Manu, le cochon naine. Je m'appelle Manu, je suis un cochon naine. J'ai à peu près 3 mois. Mon pelage marron est très doux. Je raffole des endives, du foin et des graines. Je déteste la poire et la pastèque. J'ai une cage de luxe à 2 étages. Mon petit maître s'appelle Andy. Il s'occupe bien de moi. Andy me caresse et me prend sur ses genoux. Mais des fois, j'essaye de m'enfuir. Andy me poursuit, alors ça me fait un peu peur. Quand j'ai trop chaud, Andy me met dans la piscine. Quand c'est le matin, on me sort. Et quand c'est le soir, on me rentre dans la maison. Ma vie est trop cool. Merci Andy. Donc vous l'avez compris, c'était l'histoire de Manu, le cochon d'Inde adopté par Andy il y a quelques semaines maintenant. Et comme Enzo n'est pas là, je vais vous raconter l'histoire de Balou, le chiot d'Enzo. Moi je suis Balou. Tout le monde dit que je suis une vache parce que je suis noir et blanc. Je suis un chiot de 7 mois. Je suis arrivé dans ma famille après Noël. À la maison, il y a 3 enfants, 2 adultes et 2 chats. Quand je joue avec les chats, ils me griffent. Je crois qu'ils ne m'aiment pas parce que j'ai piqué leur maison. J'adore faire des bêtises, mais du coup, on me met dehors tous les matins. Et voilà, c'était la vie de Balou racontée par Enzo. Eh bien voilà, deux reportages, en tout cas en direct live, c'est génial. Je vais interroger maintenant un petit peu tous nos reporters. Nous allons interroger, parce que Marion et Céline vont m'aider, de savoir un petit peu quels sont les animaux de compagnie qu'il y a à la maison chez chacun d'entre vous. Tiens, on va commencer avec Hugo. Est-ce que t'as des animaux domestiques, Hugo? Oui, j'ai 3 chiens. Ah, et comment ils s'appellent? Il y en a, j'ai 2 femelles et 1 mâle. Le mâle, il s'appelle Thor. Ouais, ouais. Il a un marteau? Non. Non, il n'a pas de marteau. Il arrive déjà à renverser sa propre gamelle. Ouais. Et les 2 chiennes, comment elles s'appellent? Il y en a une qui s'appelle Ruby et il y en a une autre qui s'appelle Zena. Tu as les âges? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu as d'autres animaux? Non. D'accord, ok. Est-ce que Maxime, tu as des animaux de compagnie à ta maison? Avant. Comment? Avant.
J'avais un deux cochons d'Inde. Toi aussi. Pareil Candy. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont partis? Ils étaient vieux? Coca. Ouais. Coca, il est mort. Mais de quoi? Parce qu'il était vieux? Oui. Ah, il était vieux, d'accord, ok. Et là, à aujourd'hui, t'as des animaux à la non. maison? Il y a un chat? J'avais un chien aussi. Et t'avais le chien aussi. D'accord, bon. Et est-ce qu'il y a des projets pour qu'il y ait un chat ou un chien nouveau à la maison ou pas trop en ce moment avec non. papa et maman? Non, plutôt pas. D'accord. Monsieur Nolan? J'ai un chien. Ouais. Il s'appelle Bébé Snow. Il a 7 ans. Ah. Il est vraiment, disons, ouais. actif. Oui. Disons que quand à chaque fois qu'il y a personne, il est en mode... Il aboie énormément, il se jette sur la porte mm-hmm. pour tenter de l'ouvrir. Il défend son territoire peut-être? Oui, il défend son territoire. D'accord. Oh, il mord pas, il juste il niaque. J'ai une question pour tout le monde, donc on peut ouvrir la discussion si chacun veut dire quelque chose. La question c'est, d'après vous, non c'est pas encore l'heure du quiz, ne vous tracassez pas, ne vous tracassez pas. Pourquoi est-ce qu'on a des animaux de compagnie et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous amène d'avoir des animaux de compagnie? Du bonheur. Ça tient compagnie. Du bonheur. Ça tient compagnie. Ça tient compagnie. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire pourquoi est-ce qu'on a des animaux de compagnie? Mais c'est pas mal ce que vous avez dit déjà. Bon, après, c'est le meilleur ami de l'homme, après. Oui, exactement, aussi. Exactement, exactement, exactement. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Comme on a un petit peu de temps, on a un petit reportage avec un monsieur qui est spécialisé là-dedans. Il va nous expliquer en quoi avoir un ou des animaux de compagnie, c'est très, très bien pour les êtres humains. On l'écoute? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, si vous avez un animal de compagnie, peut-être que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous vous sentez bien en sa présence, pourquoi est-ce que votre animal vous apporte un certain bien-être. Et si vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous êtes probablement déjà demandé pourquoi est-ce que les gens étaient autant attachés à leur animal. Alors, dans ce cours, je vous propose d'analyser ensemble des arguments un peu plus scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans certains contextes, les animaux nous permettent de nous sentir mieux. Et qu'est-ce qui peut expliquer aussi l'attachement que certaines personnes ont avec leur animal de compagnie, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un oiseau ou tout autre animal avec lequel la personne a une relation proche. Alors, en novembre 2020, dans un hôpital américain, un hôpital universitaire, le Wexner Medical Center, ils ont décidé d'embaucher un chien, Shiloh, qui est un Golden Retriever de 3 ans, pour apporter du réconfort au personnel, et notamment le personnel qui travaille dans les unités de soins intensifs qui sont évidemment débordées en période de pandémie. Et donc les étudiants, les médecins, les infirmiers, les infirmières peuvent tous les jours être en contact avec ce chien. Et donc le travail de ce chien consiste simplement à déambuler dans les couloirs et à apporter comme ça une minute de réconfort, un regard. Et ce qu'on a pu constater, c'est que l'effet que ce chien avait sur les gens était immédiat. Les visages étaient plus souriants, l'humeur était tout de suite plus positive. Et on constatait que c'était un réel soutien pour ces personnes qui donnaient corps et âme pour leurs patients. Alors un deuxième autre exemple qui montre concrètement que les animaux apportent un mieux-être à leurs propriétaires, ça a été révélé par une étude qui a été faite pendant le premier confinement en Angleterre et qui a pu montrer, en interviewant 6000 personnes, 6000 propriétaires d'animaux, que ceux-ci, 90% d'entre eux, ressentaient un mieux-être grâce à leur animal de compagnie. Ils témoignaient du fait simplement que, comme ils vivaient une situation anxiogène, lié à la période de confinement, via l'impossibilité de planifier, via peut-être la perte d'un emploi, via peut-être la peur d'être soi-même malade. Donc toutes ces angoisses qui sont accentuées par une période difficile, en fait, sont diminuées grâce à la présence de l'animal de compagnie. Alors ces deux exemples qu'on vient de voir confirment en fait un effet qui a déjà été étudié depuis plusieurs années chez les propriétaires d'animaux de compagnie, où on a constaté par exemple que le simple fait de caresser son chat ou son chien diminuait le niveau de cortisol dans le corps, et le cortisol c'est l'hormone du stress, mais aussi augmenter le niveau d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est ce qui fait qu'on s'attache à une personne ou à un animal. Alors évidemment, l'intérêt de cette étude qui est plus scientifique, c'est de montrer que cet effet positif des animaux n'est pas qu'une illusion, un effet placebo ou simplement une impression des propriétaires. C'est un réel effet, il y a un réel effet physiologique qui fait qu'on s'attache davantage à son animal de compagnie et que le fait qu'on s'attache à lui, sa présence diminue notre niveau de stress. Alors une autre étude qui a été menée en Israël a pu montrer que notamment lorsqu'on demandait à des gens de passer un test compliqué, dans ce cas-ci c'était un test linguistique,
Lorsqu'on autorisait les gens en fait à passer leur test avec leur chat ou leur chien à côté d'eux, on voyait qu'ils étaient beaucoup moins stressés. Et donc le fait que l'animal soit présent pendant une épreuve plus compliquée ou pendant une épreuve stressante, un moment difficile, on constatait réellement que le niveau de stress diminuait simplement par la présence de l'animal de compagnie. Et là aussi, évidemment, cet effet était d'autant plus présent que la relation entre l'animal et le propriétaire était forte. Alors évidemment, on connaît tous l'exemple de ces chiens d'assistance, donc par exemple des chiens pour personnes aveugles qui les aident à se déplacer, notamment dans un environnement où il y a beaucoup de circulation, où ils doivent pouvoir se repérer ou doivent pouvoir se déplacer en sécurité. Et donc des chiens sont formés pour réellement pendant des mois par des associations pour aider ces personnes en difficulté. On peut citer aussi l'exemple des chiens qui aident les personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes à se déplacer chez elles, ou pas forcément à se déplacer, mais à accéder à certains objets, etc., ouvrir certaines armoires. Et donc les chiens sont éduqués pour pouvoir aider concrètement la personne dans son quotidien. Évidemment, sans compter l'aspect émotionnel, qui est probablement l'aspect le plus important de la compagnie que ces animaux offrent et de la réelle connexion que ces personnes peuvent avoir avec leur animal de compagnie. D'autres études ont pu mettre en évidence, par exemple, que ce besoin d'avoir un animal de compagnie, notamment chez certaines personnes, répondrait à un besoin simplement de prendre soin d'un être vivant. C'est quelque chose qui serait de l'ordre du biologique presque, parce que comme nous sommes des êtres sociaux, ben, on a besoin de ce contact et on a besoin de s'occuper des autres, besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Et donc cette relation avec l'animal permet aussi de combler des besoins affectifs et des besoins relationnels. La relation avec un animal est une relation qui est authentique. L'animal ne juge pas, il ne se comporte pas de manière fausse. Alors l'être humain a quand même toujours tendance à juger ou en tout cas à se faire une impression ou à essayer de comprendre, à poser des questions. L'animal, il est juste présent et on constate que pour toute une série de personnes, ça apporte vraiment quelque chose de positif. Et donc le fait qu'en tant qu'être humain, on serait sensible à des relations plus authentiques pourrait expliquer pourquoi les gens ont des relations aussi proches avec leurs animaux. Bien évidemment, tout ça ne doit pas nous faire oublier que l'animal de compagnie ou l'animal en général a des besoins, qu'il n'est pas juste là pour nous, qu'il n'est pas là juste là pour nous apporter un mieux-être. On n'adopte pas un animal de compagnie juste pour combler un vide ou juste parce qu'on se sent seul. Ça implique des responsabilités, ça implique de s'intéresser à l'animal. Si l'animal peut nous apporter un mieux-être, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de celui-ci. Alors, si comme moi, vous êtes du genre à demander des nouvelles de votre chat avant de demander des nouvelles de votre famille quand vous êtes en vacances, ou si vous ne comprenez pas pourquoi votre copine a remplacé votre photo sur son fond d'écran par la photo de son chien, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éléments de réponse. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai mis ici quelques liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas le petit clic en bas pour vous abonner à la chaîne, bien sûr le petit pouce levé et le partage, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, on se voit au prochain cours. Super ce reportage. Andy, on n'a pas parlé de tes animaux de compagnie. Donc tu nous as raconté l'histoire de Manu, mais il me semble qu'il y en a d'autres. J'ai un autre cochon qui s'appelle Jeff. Donc Jeff, Manu, pourquoi ils s'appellent comme ça? C'est des prénoms d'êtres humains ça, Jeff et Manu. Manu c'est comme Macron. Emmanuel Macron. On lui passe le bonjour. Et Jeff, c'est comme les Tuches. Jeff Tuche. Il a les cheveux comme lui, il a les poils comme lui. C'est un cochon d'Inde blond. Et j'ai d'autres poissons, plein de poissons. Oh. Tu leur fais des câlins? Ils se laissent pas faire. Et j'ai une question aussi. C'est tous les trucs que les chiens mangent. Ah d'accord. Et dis-nous Hugo, peux-tu nous parler un peu plus encore de tes chiens et notamment la race de tes chiens? Alors j'ai deux chiens de chasse et un York. Un York, c'est un gros chien non ça? Non c'est des petits. C'était un piège monsieur Hugo. Allez monsieur Andy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du quiz. Allez c'est l'heure du quiz, allez, go. On va faire le petit jingle. Allez, vous le savez, on a un petit rituel à chaque fin d'émission, avant de passer à la clôture. Un petit quiz, et bien sûr, monsieur Andy va pouvoir jouer, mais j'ai besoin un petit peu du micro, monsieur Andy. Et dire qu'en début d'année, il voulait même pas parler à ce micro, maintenant j'ai l'impression qu'il va le ramener chez lui. Alors, une question pour Maxime et pour Andy. Quel est le cri du persan? Est-ce qu'il miaule, il aboie ou il hurle? C'est quoi un persan? Je sais pas. Ah, est-ce que les grands vous pouvez aider un petit peu? Qu'est-ce que c'est qu'un persan? Quelqu'un sait ce que c'est? On tape. Alors, monsieur Nolan, c'est quoi? Moi, je dirais pas aboyer parce qu'aboyer, c'est pour c'est les... quoi? Un persan, c'est quoi? Un persan, si je ne dis pas de bêtises, c'est un oiseau. Ah, rate.
raté, c'est pas un oiseau. Un persan, c'est ce qu'on a, on en a dans nos maisons. Qu'est-ce qu'on a comme animal de domestique dans les maisons qui sont... C'est très beau. Ouais. Un chat. Oui. Alors donc... Le ça. Alors c'est... Attention, on ça... a... Vas-y. Ça miaule. Ça miaule. Est-ce que tu dirais ça, monsieur? Oui. Qu'est-ce que tu dirais qu'un persan, ça miaule? Oui. Si c'est un chat. Est-ce que ça miaule, un chat? Bah oui. Ah oui, bah voilà, d'accord. Et tu dirais ça miaule? Oui. Allez, c'est de la bonne réponse, effectivement. Un persan est un chat, et donc le chat, ça miaule. Quel est le régime alimentaire du lapin? Est-ce qu'il est herbivore? Alors attention, c'est une question pour Maxime et pour Andy. Herbivore, okay. Vous avez le droit de parler entre vous, hein? Herbivore, omnivore ou carnivore? Herbivore. Vas-y, Andy. Herbivore. Herbivore, les deux sont d'accord, effectivement, les grands. Est-ce que vous confirmez que le lapin... Je confirme. Alors, puisque le lapin mange des carottes, donc c'est herbivore. Oui. Qu'est-ce que c'est un carnivore? Un carnivore, c'est une... quelqu'un ou une... C'est comme je le viande. Exactement. Qu'est-ce que c'est un omnivore? C'est pas Nolan. Vas-y, Maxime. C'est comme... il mange comme l'homme. Ah, pas mal. Mais c'est même plus... Omni, ça veut dire tout. Il mange tout, il mange de tout, effectivement. Attention, un peu plus compliqué, et tout le monde joue cette fois-ci. Ok, je joue. Et vous, je vous rappelle que dans ce quiz, vous jouez ensemble. Si les dinosaures étaient des animaux domestiques, lequel prendrais-tu à ta maison? Le vélociraptor, parce que tu cours très vite. Le diplodocus, car tu habites au 10e étage d'un immeuble. Le tyrannosaure, car tes parents crient plus fort que lui. Ou le tricératops, car tu as un très très grand jardin. Allez, chacun va dire sa solution. Vas-y, monsieur. Moi, je dirais le vélociraptor. Le vélociraptor, parce que tu cours très vite. D'accord. Monsieur Maxime, tu dirais quoi? Comment? J'ai comme... Le vélociraptor aussi? Oui. Le vélociraptor. Andy, tu dirais quoi? T'avais dit quoi? Alors, j'ai dit le vélociraptor, le diplodocus, le tyrannosaure ou le tricératops. Le diplodocus, c'est le seul qui est gentil. Exactement, bien dit monsieur Andy. Tu dirais quoi toi monsieur, rappelle-moi ton prénom déjà, Gérard? Non. Ah non, Gérard c'est ton oncle, monsieur Hugo. J'avais vu les gens, ils critiquent le... Ça, il est parti, je l'ai réveillé. Alors quel animal serais-tu dans les dinosaures là? Tu prendrais à ta maison? Même si ça y est pas, c'est le tyrannosaure Rex. Eh ben si, le tyrannosaure, Rux. Car tes parents crient plus fort que lui. Rex. Ouais, d'accord, le tyrannosaure Rex, effectivement, il est précis. Le T-Rex, il crie plus fort. Hein. Il crie fort, le T-Rex, effectivement. Bon, vous avez donc, on a ici deux vélociraptors, un diplodocus et un tyrannosaure. Attention. Oui, il est tout bas, monsieur Maxime, hein. Il a décidé de quitter son fauteuil. Donnez-moi un animal domestique qu'on retrouve souvent dans les livres ou les dessins animés. Nolan. Moi je dirais le chien. Ah, donc il m'en faut un exemple. Un chien dans un dessin animé ou une bande dessinée ou un film. Avec le micro. Avec le micro. Alors tu réfléchis pendant ça, monsieur Andy. Un chat. Quel nom? Il me faut un nom. Maxime. Un chat, Garfield. Garfield, exactement. J'allais dire en plus. Ah ben voilà, ben disons, vous êtes tous les deux, on voit, hein. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? Appuie. Continue. Des chiens, Boule et Bill. Boule et Bill, très bien, monsieur, dans les bandes dessinées, dans les films, les dessins animés, quoi d'autre, Hugo? T'as des idées? Quoi d'autre? Vas-y. Appuie. On va. Sony, les hérissons. Ah ben Sony, ça fonctionne? Sonic, ça marche ça, Sonic? Ah, c'est un hérisson, d'accord, ok. Monsieur Nolan, tu allais dire quoi? Je laisse. C'est Tintin pour le. Tintin, c'est pas l'animal. Oui, dans le dessin animé Tintin. Tintin et Milou. Et Tintin et Milou, effectivement. Alors Marion, n'essaye pas de tricher parce que ça se voit un peu là quand même. Hein. Avec le micro, qu'est-ce qu'elle te raconte, ton éducatrice, monsieur Hugo? Le cheval dans Lucky Luke. Là. Oui. Comment il s'appelle? Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke. Et le chien s'est rentré en plein, effectivement. On parle d'une époque. Oui, ça, c'est des, ce sont des vieilles. On voit que c'est l'éducatrice qui a soufflé.
Monsieur Nolan, il va appuyer, il a appuyé, oui, on t'écoute. C'est sur un livre, c'est pas sur un, c'est sur un livre que j'avais lu. Oui. Qui s'appelle Le Druid of Seoul. Il y a le personnage principal. Oui. Et avec, toujours avec son chien. D'accord. Mais vous auriez pu me sortir Nabili. Qu'est-ce qui est Nabili? Attends, toi, non, c'est pas tu ça. Tu dois connaître ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, vas-y, monsieur Maxime, vas-y. Alors, le club des cinq d'Agobert. Exactement. Qui est un chien. Exactement. Qui est Nabili? Nabili, ça veut dire quoi? Ah, dans Harry Potter. Ah, le serpent. Exactement. C'est le serpent de Voldemort. Mmh. Mais on aurait pu dire aussi la chouette de Harry Potter. Qui Archimède. S'appelle Archimède. Ah, Archimède, c'est un autre dessin animé. C'est celui de... Ah là là. Si, Archimède, c'est... ah là là, le sorcier. Avec la Excalibur et tout ça. Oui. Merlin Enchanteur. Voilà, et dans le dessin animé, effectivement. Oui. Pierre. Mais... Est-ce que vous connaissez Pierre? Pierre Lapin. Ah oui. Pierre Lapin, il est trop mignon. C'est vrai, c'est vrai. Donc Céline est née en 1875. Ça y est, elle nous a donné son âge. C'est bon, on a trouvé. C'est bon, on a compris. Allez, on continue. Attention, tout le monde joue. Tout le monde joue, bien entendu. Si tu étais un animal domestique, cette fois-ci, si vous étiez un animal domestique, vous seriez quoi? Un cochon d'Inde. Tu m'étonnes. Tu t'appellerais Brigitte? Manu. Manu, d'accord. On y va. Un chat. Un chat. Tu t'appellerais comment? Minou. Non. Comment tu t'appellerais? Matou. Non. Géronimo. Mais c'est pas. D'accord. Monsieur Hugo, vas-y. Un Yuski. Un Yuski. Eh, d'accord. Un tout petit chien, alors. Je le perturbe. Hein. Allez, et monsieur Nolan, tu serais quoi? Ah, alors là, il faut que je serais de me faire la liste des animaux domestiques pour en choisir. Nolan, on va y aller. Bon, j'y vais, serpent. Ouais, un serpent. Ah, ça existe. Hein. Nolan, il a une bibliothèque. Un serpent qui s'appelle le lapin noir. Ah, non. Oh là là. Je me suis trompé, c'est un loup. Un loup. Les loups domestiques, là. Un loup domestique. Les loups. Du coup, c'est Yuski. Ça ressemble un petit peu à Yuski. Ouais, ça ressemble un petit peu. Allez, on arrête là. Attention. Très rapidité, question de rapidité. Hugo, question de rapidité. Andy, question de rapidité. C'est vraiment le premier. Non, retirez les mains. On met les mains sur le tambour. Quel animal. Belle. Hugo. Les belles. Comment? Les belles, vous avez dit. Oui, quel animal. Belle. Ah, qui c'est qui belle? La baleine. Non, c'est pas la baleine. On a le droit de rappuyer. Monsieur Nolan. La chèvre. J'accepte. Chèvre et. Mouton. Et mouton, monsieur Maxime, j'accepte aussi. On continue. Qui a dit les éducatrices? C'est dégueulasse. Ah non, hein, pas de ça ici. Hein. On ne dit pas que les éducatrices belles, hein, voyons. Allez, ça marche. Bon. Il y a aussi les pandas. J'ai accepté la réponse, les pandas belles. Ah, aussi, c'est vrai. Mais bon, on s'en va. Le chien aboie, le chat miaule, mais que fait le perroquet? Il répète tout. Oui. Alors, j'ai des propositions. Est-ce que il piaille? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il jase? Est-ce qu'il siffle? Ou est-ce qu'il cause? Il cause. Qu'est-ce que tu dirais? Il cause. Andy, tu dirais quoi? Il cause aussi. Ouais. Je dirais qu'il siffle un peu. Alors, tout ça, ce sont en fait les bonnes réponses. Parce qu'il fait tout cet animal. Il parle, il cause, il craque, il jase, il piaille et il siffle. Voilà, en fait, toutes les réponses étaient bonnes. Dernière. Il paille et ça, c'est tout à fait raison. Préparez-vous. Il paille et c'est tout à fait raison. Dernière question. Ah, mais elle se répète avec celle que j'ai déjà posée déjà. Bon, c'est pas grave. Sinon, une question, sinon. Quel animal rêverais-tu d'avoir comme animal de compagnie? On y va, on fait le tour. Nolan. Moi, ce serait un chien loup. Là. Un chien loup. Donc, cette fois-ci, on accepte. Maxime. Un chat. Monsieur Hugo. Deux ou pas. Et tu as pas le droit, t'as le droit de dire deux fois parce que pour un traîneau, deux Yuski c'est bien aussi. Hein. Mais non, mais. Allez, vas-y, dis en deux, allez vite. De deux. Allez, vas-y. Le Yuski et le Pitbull.
Et le pitbull, donc c'est quoi chiens. Le pitbull? Et monsieur Andy? Un requin costaud. Et un requin marteau. Ouais. Un requin marteau. On va s'arrêter là-dessus. Très grand animal de compagnie, le requin marteau. Monsieur Dame, tu mettras où ton requin marteau? C'est l'heure de terminer cette émission. On est un petit peu à la bourre, mais comme c'est la dernière, on a le droit. Attention, on garde les micros ouverts. C'est parti. Allez Maxime, on est parti, on reprend les textes, messieurs, dames, on se concentre. Ici s'achève ce 10e numéro sur Radio Gisad Pastel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir nos web radios, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibré Ruby sur votre smartphone, tablette ou Android. Sélectionnez Direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez chez CSAT Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'était notre dernière émission sur Vibré Rugby. On se retrouve l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Très bien, certainement, avec encore plus de reportages et d'interviews live. Alors, à l'année scolaire, à la prochaine. Je suis triste qu'il n'y ait plus de web radio. Tu pourras tout réécouter sur YouTube de cet été, Andy, si tu veux. Et oui, et il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Hugo, merci Andy. On dit aussi merci à Enzo, merci Nolan et merci Maxime. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. Et avant de terminer, je vous demande de regarder, de lever un petit peu la tête, là, tous, parce qu'ils ont tous la tête dans leur texte, là, pour vous remercier de cette très, très belle émission, plus particulièrement Maxime, Hugo et Andy, qui ont participé à toutes les émissions de cette année, presque toutes les émissions de cette année. Comme vous avez fait un super quiz aussi, nous allons vous remettre de petits cadeaux, d'accord? De la part du CESAD, bien entendu. Donc, Andy, voici ton petit cadeau à toi, voilà. Je remets donc de la part de l'équipe du CESAD tout ça. Max, est-ce que tu peux te lever et venir vers moi, s'il te plaît, et venir récupérer ton cadeau? Voilà, on s'est dit que peut-être si tu allais te salir le t-shirt, on t'en étant donné un autre. Voilà. Et je vais remettre aussi de la part de l'équipe du CESAD un très beau cadeau à monsieur Nolan. Ah, voilà. Et un très très beau cadeau à monsieur Hugo. Voilà, pour vous remercier encore une fois de l'excellent travail que vous avez fait cette année, d'accord? Voilà, comme d'habitude, monsieur Hugo a pris les choses à l'envers. Je demande juste qu'on termine l'émission, d'accord? Et après, vous regarderez vos cadeaux. Maxime, c'est à toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me faire la dernière phrase? C'était Radio CESAD de Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Et maintenant? Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. Silence, radio!